Robin. Nous sommes prêts. Et Arnaud n'est pas peu fier de pouvoir présenter dans son catalogue eh bien, celui qui porte cette écharpe, celui dont vous avez rappelé toute la descendance et la très très belle descendance qui trotte encore comme un seigneur. À 20 ans, vous devriez être comme lui à son âge, jamais dit. C'est, oui, ben c'est ça, c'est un seigneur. Il fait partie de ces grands étalons. Pas tellement besoin de les expliquer, il s'impose à vous. Voilà, vous le voyez à 20 ans, il est comme un jeune, il est content de se voir, il adore le public. Et puis ben maintenant, c'est ses produits qui parlent pour lui. Vous avez peut-être vu le Grand Prix de Bordeaux, vous avez peut-être vu le nouveau cheval de Latina Onassis, Sinset. Qui n'a pas rêvé un jour de faire naître un cheval comme Sinset? Vous avez vu Codex One qui avait gagné le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle avec Christian Allemagne. Qui n'a pas rêvé de faire naître un jour un cheval comme Codex One? Ça fait 2 ans qu'il est dans le top 20 des meilleurs étalons du monde. Ça fait 5 ans pendant qu'il est dans le top 20 des meilleurs étalons du monde. Il a même été dans le top 10 à une époque. Ça fait 2 ans qu'il est numéro 1 mondial en concours complet. Et puis c'est un cheval qui a 9 gagnants internationaux en Grand Prix de dressage. Je crois que dans son genre, c'est vraiment phénoménal. Il produit dans toutes les disciplines, et dans toutes les disciplines, on le retrouve au meilleur niveau. Et pourquoi est-ce qu'il réussit dans toutes les disciplines? C'est qu'en plus des aptitudes physiques, c'est un cheval qui transmet un caractère, ce que les Allemands appellent la montabilité. Chez nous, ça n'existe pas vraiment. Mais il fait des chevaux qui sont vraiment pratiques et généreux dans toutes les disciplines et à tous les niveaux. Un contendro, il vous donnera tout ce qu'il peut. Et alors les premiers Français, on va les voir, ils ont 2 ans. Ils sont vraiment, il est arrivé en France assez tard. Il est arrivé en France il y a 3 ans, on l'a acheté il y a 3 ans. Ça a été notre premier investissement avec les sous que nous a ramené Canan. Ça a été d'acheter Contendro, de l'arracher à l'Allemagne, ça a fait un peu de bruit là-bas. Et donc les premiers produits, on va les voir dans les concours de pouliche de 2 ans et quelques-uns dans les concours étalons de 2 ans. Et à mon avis, on va en parler. Alors justement, j'imagine que vous les avez regardés, que vous les suivez de près. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces descendants qui sont nés en France, même s'ils sont encore évidemment très jeunes? Alors tous, le point commun, de beaucoup de présence, du chic, de l'élasticité. Petits poulains, c'est des poulains qui ont beaucoup de rebonds, qui sont très vivants. C'est vraiment des... Allez, ils viennent vous chercher un peu l'argent dans la poche. Les contendros qu'on veut vendre, en général, on y arrive. Le cheval lui-même, quand on le voit déshabillé, il a un dos un tout petit peu plongeant. Et il a un petit peu relâché derrière le garrot. Ça veut dire qu'il va convenir notamment particulièrement bien la jumenterie française, qui est souvent assez forte. Avec un dos assez fort, avec le garrot. Un lien de dos-garrot assez fort. Ça, c'est vraiment le... Moi, je l'ai utilisé avec... une petite fille de joyau d'or qui est très forte dans cette partie-là de sa conformation. Et c'est, voilà, c'est le petit détail morphologique. Après, c'est un cheval qui produit du sang. Il a suffisamment d'os, mais il produit quand même du sang. Il ne faut pas compter sur lui pour ramener de la taille. Il ne rapetisse pas, mais il n'agrandit pas. Et il fait des chevaux qui ont une locomotion, une présence. Enfin, c'est un bonheur d'élever un foal de Contendro. Alors, comment peut-on obtenir une saillie de ce grand crack? Il suffit de demander. Il est là, il est à Saint-Lô, il se plaît bien à Saint-Lô. Il a beaucoup d'amoureux, dont Adrien, qui s'occupe de lui et qui ne veut pas le lâcher. Il coucherait presque devant la porte du box. Contendro, il restera à Saint-Lô. Il est disponible ici en sperme frais. Et puis, l'hiver, il fait un peu de congélation. Et donc, il est disponible en sperme congelé partout en France. Et bien entendu, si vous utilisez Contendro, vous avez le droit à l'offre solidarité, c'est-à-dire à un de nos jeunes étalons gratuits. Et ça ne va plus l'arrêter. Maintenant qu'il est chauffé, ça y est, il va vous faire carré de dressage. Montez-lui vite fait une butte et il va vous faire un petit concours complet. Donc, Contendro que l'on peut évidemment voir de plus près encore sur le stand du GFE. Merci Arnaud. Et je pense que ça mérite encore quelques applaudissements, messieurs, dames.